Je viens d'avoir une séance individuelle avec une personne justement qui vient de vivre une séparation difficile, la séparation avec l'homme de sa vie, la séparation où tout un rêve s'écroule, tout l'espoir s'effondre à l'intérieur d'elle suite à cette séparation. Et elle vient me voir parce qu'elle a besoin de faire le deuil de cette relation, mais surtout de savoir comment elle peut se reconstruire bien après. Je suis Armelle Timine, je suis thérapeute et coach dans les accompagnements au changement par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. En réalité, tout est question de vibration intérieure. C'est la raison pour laquelle nous pouvons reconstruire une relation amoureuse aussi intense et peut-être même mieux, une meilleure rencontre que celle que vous avez déjà rencontrée. Et c'est peut-être l'une des choses que j'ai exposées à cette patiente, c'est que effectivement, elle a vécu une relation qui était intense, qui était belle, dans laquelle tout ce dont elle rêvait était là. Et c'était génial comme ça, c'est vrai. Mais rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Tout est une question de réajustement. Parce qu'en réalité, c'est ce que j'allais expliquer, et je vais vous en livrer le secret. Je vais vous livrer ce que je lui ai partagé aujourd'hui et qui a renourri l'espoir en elle. C'est que on ne peut pas dire que on vit quelque chose grâce à quelqu'un, que la beauté de ce que vous vivez, l'extraordinaire de ce qui s'est vécu, l'exceptionnel de ce qui s'est vécu est grâce à cette personne. C'est faux. Pourquoi? Parce que tout ce que vous vivez dans la relation jaillit de l'intérieur de vous. Ça jaillit de quelque part, ça jaillit de vos tripes, de votre cœur, de votre prédisposition, votre disponibilité, votre envie de vivre cette relation de cette façon-là. Et ce n'est que ça que vous goûtez à travers l'autre. L'autre n'est comme un effet miroir. Il vous reprojette ce qu'il y a en vous. Donc tout démarre de vous, tout naît et jaillit de vous, se projette à travers l'autre et c'est ça que vous goûtez. Donc tout l'exceptionnel, l'extraordinaire qui a été vécu vient de vous, vient de votre vibration intérieure, vient de votre énergie, de votre disponibilité et de votre ouverture. Donc quand vous comprenez ça, vous voyez bien que vous n'avez pas avoir peur de ne pas rencontrer quelqu'un d'autre en fait, ou de revivre. Enfin, c'est certain que vous allez revivre ce qui est précieux, puisque ça vous appartient, parce que c'est ce que vous voulez. Donc, si vous avez le désir de vivre cette relation intensément et de faire une meilleure rencontre, oui, c'est possible. Oui, c'est possible. C'est-à-dire que vous pouvez même rêver mieux que ce que vous avez vécu là. Oui, c'est possible. Et c'est ce que je travaille justement avec cette patiente en séance individuelle. Donc, je suis ravie justement que cette séance lui a permis d'avoir espoir à nouveau. Et ça, c'est super. Mais donc, si vous avez envie justement de vous redonner cette chance de revivre ce qui est extraordinaire, mais même d'avoir mieux, je vous invite à vous inscrire à l'atelier collectif qui aura lieu ce samedi 30 janvier sur Augmenter les chances pour rencontrer l'âme sœur, pour rencontrer la bonne personne. Durant cet atelier collectif, nous allons justement retravailler votre vibration intérieure pour la rendre favorable à cette rencontre, afin que vous puissiez rencontrer la bonne personne et aussi vivre la vie que vous souhaitez, la relation de couple que vous souhaitez vraiment. Voilà, cet atelier se fera sur deux modules, donc ce sera le samedi 30 et également le dimanche 7 février et ce sera sur Zoom de 14h à 18h. Donc il reste encore quelques places, ne tardez pas à vous inscrire si vous avez vraiment envie de regagner espoir, mais au-delà de l'espoir, de matérialiser cette rencontre, eh ben c'est le moment. Voilà, et moi je serai ravie de vous accompagner pour ça. Je vous dis à très vite. Au revoir.